Là, c'est un événement, un festival sur une journée pour la première édition. Et donc, c'est un festival de métal hardcore. Et puis, on a choisi aussi ce coin-là parce que c'est un endroit où tu as un peu de demande et tu n'as pas d'événements spécialement hardcore qui sont proposés dans le coin, quoi. On va dire que dans la région rochelaise ou alentour, il y a du métalleux, mais c'est pas trop hardcore. Donc, c'était un peu l'idée d'amener un fest hardcore ici, en fait. Le hardcore est très, très militant. C'est quelque chose qui est un peu dans l'agressivité, ça va vite, c'est énergique. C'est ça. On a beaucoup le côté scène ouverte, pas de barrière devant la scène. Voilà. En plus, c'est une musique, on sait que les gens apprécient en live. Ça vit en live, de toute façon. T'as cet échange, t'as cette énergie, c'est un truc qui se vit vraiment en live. C'est ça. L'idée de ce festival, notamment pour cette première édition, c'est vraiment de faire un peu découvrir qu'est-ce qu'il y a derrière le milieu hardcore, qui est des fois un peu freiné par les gens, mais en fait, c'est plus parce qu'il y a une méconnaissance, on va dire. Des gens qui sont là, les bénévoles, ceux qui ont des stands et tout le bazar, c'est des copains. En fait, bon, c'est des copains, il y a un côté très convivial, très familial. Mmh. On essaye vraiment de garder ce côté-là, déjà pour que les gens voient que tout le monde se connaît, qu'il y ait vraiment une ambiance bien étendue. Et il n'y a que entre aide addict et nous toutes, ça c'est des assos qu'on a recherchés. On voulait mettre en avant et à la fois un stand de prévention contre les conduites à risque et également une association de prévention et de lutte contre les VSS, les violences sexuelles et sexistes en milieu festif. Et normalement, tout devrait bien se passer. On a envie que ça soit là, sur place, pour que si jamais le besoin se présente pour les gens, qu'il y ait quelqu'un pour répondre à leur demande. Quoi. L'association Hardcore Cares, on lutte pour la protection animale. Donc, via des événements comme aujourd'hui, on récolte des fonds, et ces fonds vont être reversés sur nos réseaux partenaires, style refuge. Tout est reversé directement aux animaux. C'est surtout pour sensibiliser les personnes qui viennent pendant les concerts à la cause animale. Et après, la scène hardcore pour la cause animale, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Les meilleures recettes qu'on peut faire sur un stand, c'est quand il y a du hardcore. C'est vraiment un des styles qui va le plus s'impliquer dans la cause. Il y a un vivier en France, le groupe de hardcore, qui est absolument monstrueux. Et en fait, il faut plein de petits festivals comme ça qui vont piocher dans des groupes de toute région. Et en fait, c'est ce genre de festival qui donne à l'occasion à ces groupes-là de bouger et de se faire connaître. Il y a une communion entre la scène et le public. C'est beaucoup plus personnel. Les gens, tu les connais, tu peux discuter avec eux. Et en fait, sur La Rochelle, ça commence à revenir maintenant. On verra si le public, lui aussi, répond présent. Moi, je connais plein de groupes amateurs qui sont à des niveaux stratosphériques. Pour moi, ils ne sont pas là où ils devraient être. Maintenant, ils sont peut-être là où ils veulent être. C'est plus humain aussi. I'm on the brink of... Every band has to start in such a small venue. Yeah. So if nobody keep going on with supporting these shows, they will die. And I rather go to small events like this to the big ones because everybody's like on eye to eye. Yeah. It's not about the money. It's more about bringing people together. Most of them have a boring 9-to-5 life as we do, and we can break out at evenings like today. But in the end, it really comes down to people sharing moments with us. La salle est magnifique.
Il y a une belle affiche, il y a une belle équipe autant au staff que les groupes, ils sont super. Puis voilà, nous on apporte un peu notre savoir-faire, lui son vin, moi un peu la bouffe. Donc là, si nous, avec le peu qu'on peut faire pour eux, ils arrivent à développer, en développant, ils vont faire travailler les gens du coin, ça apportera aussi un peu de boulot pour les autres. Et en espérant que ce festival, dans 20 ans, on puisse en reparler parce que ce sera la 20e édition. C'est du local, c'est voilà, chacun s'entraide et ouais, on retrouve de l'humain quoi. Ouais. Et dans cette putain de société où on est de plus en plus chacun chez soi, chacun pour sa gueule, des petits moments comme ça fait du bien, tout simplement. Qu'est-ce qui m'a vraiment amené au hardcore en fait, c'est ce qui se passait entre les gens. En fait, les gens avaient envie de partager quelque chose de fort, parfois violent, complètement fou, mais sincère, terriblement sincère. Finalement, on t'accepte tel que t'es, avec ton origine, avec ton orientation, avec ton genre, avec tes valeurs. Et le hardcore, moi, je viens pas de cette scène-là de base, et c'est vrai que j'avais regardé ça, mais avec une espèce de peur, avec une espèce de, ouais, d'appréhension, mais en même temps, c'était hyper intéressant, socialement parlant. Voir ça, voir tous les gens d'un coup, en trois accords, ça se tombe dessus, ça devient malade, voilà, c'est la plus belle récompense que tu peux avoir en tant que musicien. Et franchement, si le hardcore m'a appris un truc, c'est que c'est la passion avant toute chose, et c'est des gens qui transpirent la passion. Franchement, rouler 6 heures, 8 heures, 9 heures pour des concerts comme ça, c'est cool. Merci à Kevin de nous avoir fait confiance, merci à vous pour votre attention, et puis longue vie au Spread of Rage.